La vidéo d'aujourd'hui, on va voir le vocabulaire qu'il faut apprendre à l'âge de 5 ans pour pouvoir une production écrite ou bien une expression écrite, d'accord Le projet 1 parle des animaux, très bien. Donc, aux zoo, on a vu les animaux sauvages et les animaux domestiques, très bien. Sauvages, les animaux sauvages, c'est les animaux qui vivent dans la forêt comme on a vu l'éléphant. L'éléphant est un animal sauvage. Répétez à la maison, d'accord Le zèbre, qui peut me dire c'est un animal sauvage Vous répondez à la maison. le hein? très bien. C'est un animal sauvage. Le léopard est un animal sauvage. La gazelle est un animal sauvage aussi. Regardez l'image. C'est une vache. Très bien. Où est-ce que vit la vache Où est-ce qu'elle vit dans la forêt Non, elle vit où Très bien, elle vit dans la ferme. La ferme, via le mazraa. Donc, les animaux qui vivent dans la ferme ou bien avec l'homme, les animaux qui les les animaux domestiques. Les animaux domestiques. D'accord, donc on va dire la vache est un animal domestique. Répétez à la maison. Le chien est un animal domestique aussi. Pourquoi les Parce que le chien vit avec l'homme. Regardez aussi, on a la poule. La poule est un animal domestique. Le cheval, on a vu aussi le cheval. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir La girafe est un animal sauvage. Le chien est un animal domestique. اذا هنا الامثله اون بو يمكنكم استبدال لا باي حيوان مفترس المهم الجمله اي تان انيمال سوفاج اي تان انيمال دومستيك اذا هنا يجب حفظ سوفاج اي دومستيك مفهوم اون افو اوسي لا غازيل اي تان انيمال اربيفور واش معناتها اربيفور ال سونوغي d'herbe l'herbe donc herbivore c'est un animal qui se nourrit d'herbe le contraire d'herbivore c'est quoi de العشب, اللحوم, la viande et on dit un animal carnivore Carnivore man se nourrit de viande d'accord regardez la phrase le lion est un animal carnivore d'accord regardez la vache est un animal herbivore la vache il y a, al herbivore vient d'herbe le lion est un animal Carnivore. Carnivore se nourrit de la viande. Comme le chat. Le chat est un animal carnivore. On a quoi aussi Très bien. Le loup est un animal carnivore. Donc, ici, on va retenir quoi Herbivore. Carnivore. On a vu domestique. Herbivore, sauvage, carnivore. Regardez sur l'image, qu'est-ce qu'on voit On voit la vache qui nourrit son petit. Elle allait son petit. Et <métit> Comment on appelle les animaux qui allaitent leurs petits On les appelle les mammifères. Donc les mammifères. Allaitent leurs petits et donnent naissance à des petits qui leur ressemblent. Et, tada mouloud, yusbeh ha, yakoun sarir, yusbeh al-bakara. Lahdo, comme l'a dit-on, fissura. Donc, qu'est-ce qu'on retient On retient mammifère. Mammifère. Lahdo, ici, on a quoi sur l'image On voit la poule. Très bien. La poule avec quoi Avec les œufs. Les œufs, hey al Sur le nid. On voit les œufs, donc la poule donne naissance à des œufs. hey tadah al On appelle ça un animal ovipare. O ovipare. une petite poule et donc ici on va retenir quoi? Na yejub an nahfad mammifère ou vivipare. Mammifère tada mouloud zahir ovipare telit al bayd. Regardez, la poule est un animal ovipare. Aye al djaja t'ba al un Aye mel al L'éléphant est un animal mammifère. Et manata, el-fil min al-hayawanet, el mammifère, qui donne naissance à des petits, ovipares. regardez, o, c'est comme e, comme al o, o, les œufs. donc il y a al-hayawanet, Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans le vocabulaire Sauvage, domestique, carnivore, ماميفير ممثليه اوفقار اذن بهنا ينتهي فيديو اليوم نلتقي مع فيديوهات قادمه بالنسبه لتلاميذ سنه الخامسه باذن الله